Bonsoir tout le monde, bienvenue, bonsoir, ici Jake, vous êtes sur Ivasound Studio, hein, association, on fait de la radio, on fait du gaming, et des ateliers sociaux pro. Ce soir, on est en stream, sur du jeu vidéo, et on revient sur Super Monkey Ball Banana Blitz HD version Switch. Ah, voilà, c'est tout ce que j'en pense. Si vous m'avez suivi, vous m'avez vu galérer jusque là, ça va être difficile. Donc bon, on y va directement, hein. Il y a le monde 9. Et on va prendre Sonic. Parce que on a débloqué Sonic. Donc, on va avec Sonic dans le monde 9 des marais profonds. Et on espère que c'est le seul monde supplémentaire, qu'il n'y en a pas d'autre. Je suis pas rassuré pour autant. Clairement, ça m'enquiquine un peu. Je pense qu'il y a d'autres niveaux. Je suis pas certain. Mais je pense quand même. Donc bon. Hop là. Les notifications sont arrivées pour tout le monde. On peut y aller. Direction les marais profonds avec Sonic sur Super Monkey Ball. Le son a l'air correct. Je sais plus comment on joue, c'est pas grave. Combien y a de niveaux ? Il y a 9 niveaux et un niveau bonus. Il n'y a pas de niveau boss. Tant mieux. Enfin, tant mieux, je sais pas en fait, parce que c'est que des niveaux de parcours. Au secours. Au secours. On verra bien. Je vais toujours... Oh, ah oui, non, mais c'est quoi ce niveau? Pas encore mort. Je suis mort. Voilà. Attendez. Il y a des choses qui bougent. Après, faut sauter. Alors, on va voir le niveau. Il est où le départ? Ok, il est sur la gauche. Et après... Pardon, excusez-moi. Et après... Ah ouais, il faut vraiment prendre de la vitesse. Et ne pas se faire avoir avec les blocs qui bougent. Et soit aller très très vite pour aller atteindre le portail qui est plutôt bien positionné. Mais sinon on peut tomber dans le trou ici. C'est quoi, c'est une grille ou c'est un... Ah non, c'est une grille. C'est pas un... C'est pas courbé, c'est une grille. Donc on est obligé de passer par les côtés du demi-cercle. Wow. Eh bien, go. Sauter, c'est ça. Ok, voilà, ça a poussé d'à peine un poil et c'est fini. Bon, on va essayer de faire preuve de persévérance. Oh là, ah non, on peut aller directement avec le petit tremplin, d'accord. En fait, il a pas l'air si compliqué que ça. Je remarque juste une chose, alors je sais pas si c'est dû à Sonic ou si ce sera le cas pour tous les personnages. Néanmoins, il y a les... ce ne sont pas des bananes, ce sont des anneaux de Sonic. Donc à vérifier si ce n'est qu'avec lui ou si c'est lié au monde tout simplement. C'est une bonne question. Hop là, ben voilà, tout simplement, niveau terminé. Alors, il faut aller tout droit. C'est du tout droit. Ça va un peu dans tous les sens quand même. Par contre, niveau timing, c'est tendu. Ah, je suis tombé sur le côté. Mais si je vais trop vite, ça va pas le faire en fait. Voyons, on tente en allant à toute vitesse. Il y avait un anneau en haut. Bon, on va pas y aller si vite que ça en fait. On ralentit, on accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit de nouveau. On a fait la moitié du passage, je pense pas. Ah, oh, même chute qu'il y a deux, il y a deux trails. C'est quoi ce niveau? Vas-y, ralentis Sonic. Voilà. Hurry up, décider, plancher un petit peu plus tôt.
Ah, ça peut passer. Et voilà, ça passe. Il y avait des anneaux derrière. Mais comment ils ont mis les anneaux derrière? Comment est-ce qu'on les attrape? Ils ont fumé. Wow. Ça bouge. Non, ça bouge pas. Ah, dommage. Je suis arrivé jusqu'où? Je dirais pas la moitié. Ah ok, d'accord. Oui, continue. Et après, c'est en étage. C'est un grand étage après. Non! Oh, dommage! Et. Oh, il restait 3 ou 4 sauts. Ah non, le côté! Ce n'est que du réflexe. Que du bon positionnement. Moduler les sauts. Avec la vitesse, la caméra, il a... Non, la caméra sur laquelle on voit toujours rien, sinon ce n'est pas drôle, bien sûr. Non. Hop. Oh non, c'est quoi ça? Il y avait un animal dessus. Oh punaise. Stop, on analyse le niveau. Je suis obligé de me prendre le truc là. Le jaune, là, le petit jaune devant, il y a un espèce de chewing-gum dessus. Je suis obligé de passer. Faut que je rebondisse directement en fait. Bon, c'était le meilleur try. Wow. Punaise. Oui, non, stop. Stop. Oh, punaise, à côté. Un niveau qui risque de durer un peu. Hein. Oh. Ouais, génial. Trop rapide. Je pense qu'on peut le faire comme ça. Ok, d'accord. Alors, en visant mieux, mais je pense que en un rebond, il est faisable. En même temps, si c'est un jeu qui est speedrunnable, c'est qu'on peut faire quelque chose comme ça. Et encore, je vais lancer. Ouais, bon, il y a de l'idée. Je suis arrivé jusqu'au dernier chewing-gum. Il y a de l'idée quand même. Il y a vraiment de l'idée. Alors attendez. Ok.
On va vérifier un truc par rapport à ces histoires d'anneaux et de bananes. Allons au premier niveau de l'île des singes avec Sonic, juste pour savoir si les bananes sont bien là ou si elles se transforment en anneaux parce que c'est Sonic. Ce sont des anneaux. Avec le petit son et tout. Bon, en même temps, Monkey Ball est une licence, les gars. Ok. Donc, c'est bien dû à Sonic. C'est bien dû à Sonic. La question, elle est vite répondue. On dirait sur Internet en ce moment. Donc, on retourne là. Et on retourne faire des petits rebonds. Faire des rebonds partout. Des petits rebonds. Des petits sauts. Et tomber, surtout. Et donc, du fail et de l'échec. La spécialité, quoi. La spécialité de la maison. Boing, boing, boing. Non, à côté. C'est à côté, Sarah Connor. Ready, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Petit tempo, 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 tempo ici. Tempo ici. On observe. On peut aller jusqu'au chewing-gum. Et après, il faut faire gaffe. Top tempo. On va aller sur le jaune ici. 1, 2, top tempo. Purée, mais comment est-ce que je passe cette créature? Cette créature étrange qui m'enquiquine. Comme ça. Non, je suis passé à côté, mais je suis tombé après. Ah, quel dommage! Quel dommage! On y retourne. Oui, d'accord. Bah, si c'est pour tomber dans le premier trou, ça sert pas à grand chose quand même. C'est nul. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est nul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh non! Je me déteste. Je me déteste. Il est pas compliqué en vrai, hein. C'est juste moi. Allez. Hop, hop, stop, 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 stop. Pourtant j'étais en reculons. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh mon dieu, j'ai tapé sur le côté, j'ai tapé l'angle, le c'est pas un arrondi, comment on appelle ça, c'est un nom particulier, j'ai plus les noms, c'est un nom que j'ai oublié quand j'ai quitté le lycée, donc que j'ai souvent entendu en mécanique, c'est, ah punaise, je ne sais plus, ah oui, nullité sur 20. Tant pis. Allez, on repart. Jaune. Là, comment on va faire là? Comment on va faire ici? Oui! Non! Mais non! J'arrive jusqu'au. Je sais pas, c'est une pieuvre spatiale, marécageuse. Mais j'arrive dessus, c'est pas mal. Avec du temps. Et surtout, j'y arrive avec du temps. En plus, j'ai 30 secondes quasiment. Hop là. Pour faire 4 sauts, mais me prendre un chewing-gum. Et encore, je pourrais prendre 40 secondes. Oui. Non. Oh, j'y étais.
J'ai fait un bloc de mieux que mon record pour le moment. Il me manquait 1, 2, 3. 3 sauts, il me manquait. Mais par contre, c'est un saut où il faut tourner, quoi. Ah, je réussis le premier où il faut bien tourner. Et bien, je réussis ce l'autre, quand même. Stop, on s'arrête là. On s'arrête là, on tourne. Stop, on s'arrête là. Oui, c'est passé. C'est passé. Niveau suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, c'est un niveau spécial Sonic complètement. Toujours tout droit. Ne pas dévier. Ok, trop tard, j'ai dévié. J'ai dévié. Oh punaise! Et maintenant? Attendez, il s'est passé quoi là? Ok, d'accord, on est vraiment sur un truc Sonic à l'ancienne, mais en 3D en fait. J'allais dire 2D et demi, mais non, on est bien sur de la 3D. Ah punaise, on pourrait skip quelque chose. On pourrait skip quelque chose, mais. C'est pas intéressant. Voilà, il a tout droit. Oh! J'ai peut-être un peu trop dévié gauche-droite. Mais punaise. Sur un Sonic 2D classique, c'est beaucoup plus simple en fait. On réfléchit pas sur ça. Non! Non! Oh non! Au secours! Au secours, le niveau! Et si... Attendez. Oh, une idée. Ouf. Oh, oui. Moi, je dis oui. Hein. Oh, punaise, oui. C'est un grand oui. On va le faire comme ça. Hop. Ok, faut que je m'avance un poil plus. Hop là, petit saut. Ah, presque encore. Ça a frôlé. Il y a quand même un peu plus d'espace que je pensais. Donc, on tente comme ça. Ah, de l'autre côté. Oui, continue. De toute manière, je peux pas ralentir comme je veux. Oh, je suis lancé. Pouf. Oh, presque. Ouf. Oui. Non, j'y étais, je l'ai touché. J'ai même touché le portail. Ouf. Oui. Non. Le rebond. Le rebond, mesdames, messieurs. Le rebond. Ah, punaise. Et maintenant, je fais comment? Oh, ils ont mis des chewing-gums dessus. Oh là là. Ah, mais attendez, j'ai juste à faire ça. Tout simplement. Voilà, fini, niveau suivant. Aussi simplement que ça. Voilà. Niveau bonus. D'accord, ça bouge ou pas? Pas l'impression. Ok, bah niveau bonus, j'ai pris deux anneaux, ouais. Voilà, allez, suite, niveau suivant. Oh! Au secours! Au secours. C'est clairement des niveaux à la Sonic, mais... Ah, punaise! Ah, ça va trop vite. Non, je tombe. Je sais pas jusqu'où je suis arrivé. Oui, continue. Alors, deux secondes.
Top. Voir le niveau. Je suis arrivé jusqu'où. Le départ, il est là. J'ai fait ça. Ça, je crois que je l'ai passé. Et là, je suis... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est celui qui est le plus penché, quoi. J'ai besoin de plus de vitesse sur ce virage-là. Et après, ça va tomber à fond. Je ralentisse. Et ça peut le faire. Ok, d'accord. Allez, ça peut le faire. Par contre, si je pars de travers dès le départ, ça va pas le faire tant que je pensais. Oh punaise, la force centrifuge! Ma meilleure amie, la force centrifuge dans ce jeu. Pardonne pas. YOLO. Ouf. Là c'est le plus dur. Non, punaise. C'est vraiment le virage le plus difficile. Allez, il n'y a que 4 virages. Je pense qu'il doit y avoir une technique spécifique. Pic. Je suis pas sûr d'avoir eu besoin du rebond. Plus de vitesse, plus de vitesse. Plus de... Oh punaise, je suis passé. Je suis passé mais je me casse la binette. Mais je suis passé. Je suis passé. Je suis passé. Ça va trop vite. Ça passe. Et le saut était nécessaire. Allez. Oh punaise. L'intérieur du virage. On poursuit. Passe. En plus, c'est tout bête parce que... Non, c'est pas tout bête. J'allais dire les anneaux sont bien positionnés, mais non. Ils sont pas bien positionnés du tout, les anneaux. Oh, purée. Je manque de vitesse. Comment c'est possible? Je manque de vitesse sur le virage le plus haut. L'avant-dernier, donc. Sauf que si je fais ça, voilà. Là, j'arrive trop vite, ça passe pas. Donc, que faire? Oh, j'ai tenté un truc. Mais non. Mais non, mais non. Mais celui-là, on peut pas le skip. On peut pas le skip du tout. Par contre, pour un niveau de marée... Alors déjà, il est pas très marrant. Mais surtout, il est un petit peu dans les nuages, votre niveau, là. Tu mets n'importe quel décor derrière, tu le mets dans n'importe quel monde, hein. On n'y arrive plus. Oh là, on se calme. Punaise. Ready, go. Ah
Quel génie. Ready? J'arrive de nouveau au grand virage. Très bien. Oh, mais j'arrive plus. Allez, j'ai fait la moitié du monde. Ah non, presque, il y a 9 niveaux. Il y en a 9. Oui, il y en a 9. Il n'y a pas le boss. La vitesse. La vitesse. Vitesse, non. Je manque de vitesse. Sérieusement quoi. Donc avec un autre personnage, ça passerait peut-être pas forcément. Sonic est quand même réputé pour aller vite. Continue. Je me suis fait le café mais j'ai pas encore bu. Oui, on continue. On continue. Okay. Oh putain. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. C'est encore un virage qui monte. Sérieux, c'est un virage qui monte. Oh, il monte. Il monte légèrement, mais il monte, ouais. Oh, putain. Affreux. Affreux, affreux, hein. Oh! C'était le dernier ou pas? Oh, je sais pas si c'était le dernier ou pas. Je pense que oui. J'ai raté. Ça passe. Peut-être. Oui, allez, j'y crois pas du tout. Oh punaise. Ready? Go! Non mais d'accord, j'ai qu'à aller tout droit aussi, hein. Tout droit, sans réfléchir. N'importe quoi. Continue.
Ready? Go! Et là, le rebond, il est même pas fait. Il est même pas fait. Pas de rebond, rien du tout. Ready? Go! Allez, Sonic, on croit en toi. On invoque la puissance de tes camarades. Hop. C'est qui le personnage Sonic et Tails? C'est Knucked. Je crois qu'il y a un personnage Sonic qui s'appelle Rose. Bon, Docteur Robotnik, bien sûr. Il vit Robotnik. Docteur Eggman. C'est pas Sonic que vous voyez, c'est Sonic. Doucement, doucement, pépère, doucement. Non, pas doucement, justement, accélère là. Accélère. Voilà. Et là, grand virage. Allez, grand virage, on y croit. Oui. Et là, doucement, la chute sur le côté. La chute du peloton. Tout ça à cause d'une pancarte. Parce qu'en fait, il y avait la pancarte sur le parcours. Là. C'est pour ça que je suis tombé. Non! J'ai tenté de ralentir, j'ai pas réussi quoi. Allez, allez, on y croit. Intéressant ça. Là, faut prendre de la vitesse. Il faut prendre de la vitesse, voilà, là, là on fait gaffe. Hop. Non. C'est mieux que tout à l'heure, c'est mieux. Mais pourquoi j'arrive pas sur le dernier? Faut vraiment que j'aille plus vite. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit l'angle le plus élevé. Hein. C'est pas le plus bas, le plus bas c'est le premier. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un angle comme le deuxième en fait. Il est si élevé que ça le dernier. Ah. La vitesse. Et voilà, et là je me casse la binette parce que justement trop de vitesse hors centrifuge. Mais si j'ai moins de vitesse, je ne passe pas en fait. Alors où est le juste milieu exactement? C'est une bonne question ça. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Non, non, ça passera pas. Là, j'ai beau faire tout ce que je peux. C'est compliqué. Hein. Il est affreux ce niveau. C'est bon. C'est pas bon. Ready? Go! Ready? Oh non, punaise. Continue. Ready?
Ralentis, Sonic. Non, ralentis pas. Passe. Saute. Oh punaise, ça peut le faire. Non, le côté. Non. J'y étais. Pourquoi y a pas de. Sérieusement, cette mort là. Oh. Putain. Et là, y a pas de save state, forcément. C'est pas un émulateur, vu que c'est directement le jeu sur la console. Oh là là. Oh, j'ai des boules. Et vous vouliez que je fasse un Dark Souls en stream, moi? Mais non. Super Monkey Ball me monte au nez. Je crois que c'est le premier jeu, en fait, qui me fait cet effet-là. Mais vraiment. Non, là faut foncer. Oui. Et là c'est l'autre côté. Bon, il y a déjà du mieux. Ça fait deux coups assez proches, deux tries assez proches. Où on arrive sur la dernière ligne droite. Bon, ça passe pas. Mais c'est intéressant parce que il y a eu un fail sur le côté gauche, un fail sur le côté droite. Ça veut dire potentiellement genre là, ça passe. Voilà. Nickel. Niveau suivant. Quoi, ce niveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tranquillement. Il y a un chewing-gum, un poulpe. Il y en a deux. De nouveau tranquillement. Hop, oh, avec un truc encore plus fin. Plus fin tout droit, monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plateforme ici, il y a un chewing-gum et un trou. Une pente très rude. La pente est très rude ici. Et après, il y a des virages. C'est pas plat. On voit que c'est pas plat. Hein. C'est au lieu que ce soit comme ça, c'est quelque chose comme ça. Et à la fin, il y a des effets sur la fin. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a un turbo. Il y a un turbo sur la fin parce qu'il faut réussir à grimper. Ok. Ça commence bien. Je pense qu'on... Un speedrunner, je pense, peut skip pour aller directement sur l'escalier. Je pense. Oh punaise, j'ai pas pris le bon bouton, c'est ça. C'était le bon bouton. Calme. Calme et sérénité. Non, il y a du... Oh. Calme. Ok, pas calme. Comment ça... Des rainures, ça s'appelle? Est-ce que c'est des rainures? Le mot que je cherche depuis tout à l'heure, je crois que c'est rainure, mais je suis pas sûr. Oui. Sauter. Stop. Il bouge ou il reste... Et ouais, la rainure me fait que je... tombe. Ready. Go. Ouais, la rainure fait que... Je pense qu'il y a moyen de skip, mais ça demande vraiment de la précision.
Non. Et voilà. Là, j'ai fait trois fois la même erreur quand même. Ah là là. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Plus de précision que le niveau juste avant. Ok. Tout droit sans. Quoi? Et en plus ça bouge. Timer, par contre, ça va pas le faire. Ok, bon, je suis arrivé jusque là. Mais niveau timer, ça le fait pas du tout. Faut que j'aille plus vite. Faut vraiment que j'aille plus vite. C'est mort, voilà. J'ai senti arriver la chute. Horrible, horrible. Comme s'ils avaient besoin de mettre ces espèces de poulpes, araignées, fleurs, swing gum. Comme s'il y avait vraiment besoin de mettre ça dessus. Quoi. Non, je tombe. Je tombe, comme disait. Qui c'est qui chantait ça? C'est pas parce que. Non. Bah c'est Patrick Bruel, je suis bête. Ouf. Sonic reste droit. Sonic reste droit. Au lieu de jouer sur un pied là. Bon bah il veut pas. Sonic ne veut point. Ready, go. En fait, même en tentant de skip, d'essayer pour un speedrunner d'accéder à l'escalier, il faut réussir à monter correctement pour attraper le moment où l'escalier est le plus bas en fait. Sans rire. Est-ce que ça se tente pour voir si je perds du temps ou pas de tenter de skip? Il y a combien d'écart? Il n'y a pas tant d'écart que ça. Hein. Par contre, je vais tomber directement sur la pente. Oh punaise. Oh punaise. Il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Oh punaise. Ouais, il y a un truc à faire. Je pensais que ça aurait été plus loin que ça. Mais si je peux me permettre de gagner 10 secondes. Franchement. Faut que j'arrive à rebondir correctement. Ralentir ma vitesse. Ressauter. Stabiliser. Et là, ça allait trop loin. Là c'est à frotter, ça a frotté.
Ouais, bon, on va passer. On va le faire de manière légitime. Ah, frustrant ce truc. Surtout qu'après il faut aller jusqu'à au virage branché. Le turbo l'a monté. Oh, j'ai un coup de paillement et ça m'a déconcentré. Non. Oui. C'est bon. Je peux m'en rattraper. Ok. Et là, on attend. Ne bouge plus. Maintenant. Ok, stop. Ah non, même erreur que tout à l'heure, je suis parti trop sur le côté gauche. Même erreur que tout à l'heure. Il y a un bon quart d'heure même. Peut-être pas un quart d'heure, mais en tout cas ça peut y ressembler. Sonic, sois sage. Sonic, sois sage. Hop 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 la rainure. Oh, Sonic, voilà, j'ai sauté, j'aurais pas dû. Le dernier rebond était vraiment pas nécessaire. Mais je l'ai fait quand même. Ready, go. Go.
Non. Et le rebond. Stop, stop, Sonic. Heureusement que je sais qu'on doit prendre soin du matériel parce que l'électronique est comme tout, ça coûte cher. Ce serait débile de casser des choses. Après le regretter. En plus, les développeurs, ils ont dû se dire le niveau est assez dur comme ça. On le fait court. Et ils ont dû repérer les zones. Ok. Tu restes là, toi. Pouh. 20 secondes. 20 secondes et je tombe dans le trou, quoi. Le seul trou qu'il y a concrètement, qui est quand même visible en plus, je tombe dedans. Oh, c'est frustrant. C'est fail.
C'est officiellement le niveau le plus long de ce soir. Quelle galère, quoi. Sérieux, Sonic. Mettez-moi des barrières comme au bowling pour les débutants, quoi, quelque chose, parce que... Attendez, stop. Ils sont en train de remonter, ils redescendent. Go. Saute. Au secours, quoi. Ils ont appelé le sous-marin juste parce qu'il y a trois poulpes étoiles spatiaux machin. Voilà, là, je ne touche pas. T'as pas intérêt à tomber sur ça. Fais gaffe, Sonic. Hein. Non! Ah oui, et en plus 11 secondes. Ah oui, d'accord, bah c'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et maintenant, si je fais ça. Ah, y a un truc quand même à faire, je suis désolé. Hein. Y a quand même un truc à faire en skippant. Je fais juste ce continue là en skip. Ouais, voilà, y a un truc à faire. Mais je me prends le rebond. Et comment temporiser le rebond après? Ça, je sais pas quoi. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas comment le temporiser. Ou alors je prends un autre personnage. Peut-être qu'avec. Comment il s'appelle? Le gorille fort. Comment il s'appelle? Pas très rare. Ouais, quoi que. Mais non, parce que j'y vais doucement de toute façon. Donc, si j'y vais doucement, y a pas trop de force centrifuge. Oh, ça c'est vache. C'est vicieux. Et on attend. Et on perd du temps. Et on va tomber même. On va tomber là. Oh, 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 oh. Au secours. Au secours. Mais oui, time out. Mais, mais... Ah non, non, pas hurry up, non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ça en 10 secondes, 5 secondes? J'arrive même pas à passer cet endroit. Voilà, je tombe là au même endroit. Oh, j'en ai marre. Salut Eleanora. Oh, au secours. Au secours. Je crois que c'est le pire niveau de tout le jeu, même le niveau de la lave. Niveau 2, monde de... Je sais plus combien, 6. C'était plus intéressant. Et au moins, il y avait une crédibilité dans le nom des niveaux, des décors, etc. Là, y a rien. Non! Ready?
ready. Au secours. Aïe. Non. Non. Stop. Si tu t'arrêtes là, tu ne bouges plus jusqu'à ce que je te le dise. Genre maintenant. Saute. Et tu t'arrêtes. Le trou. Ralentis. Ralentis. Mais même en ralentissant, je fais la même chute. Oui, continue. Pourquoi je fais la même chute? Ah oui, d'accord. Ah oui. Oh ah ouais, c'est pentu, pentu, quoi. Je peux pas me rattraper, en fait. Il faut que je saute directement sur le côté droit. Il faut pas que je le laisse rouler. Il faut vraiment que je fasse un saut. C'est beaucoup trop pentu. Après ça part dans tous les sens, c'est même pas plat quoi, c'est même pas plat. Et après il y a un turbo. Ouais. Ouais. Désespérant. Et dire qu'il y a encore... trois niveaux après en plus. Et vas-y, tombe. Tombe pas toi. Stop. Stop, stop. Ok, j'ai un peu ralenti. Essayons de voir le côté positif. J'ai réussi à un peu ralentir. Là, je vais me casser la gueule. C'est pas bon, ça. Okay. Oui. Il n'y avait pas de raison que ça tombe. Pas de raison que ça tombe. Et c'est tombé. Et c'est tombé. Méduse, appelez ça ce que vous voulez, pieuvre. Ou même chewing-gum, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Tas de morve, tiens, on va appeler ça, ce sera un Pokémon, mais désormais c'est un tas de morve. Le jaune. Stop! Stop! Sonic, ne bouge plus, je t'en prie. Ah, ah! Eh ouais, il y avait du... Elle a été trempée dans le savon, la boule. Bah, y a pas que la boule qui a été trempée dans du savon. Je pense que c'est le parcours aussi, tu vois. C'est... Niveau adhérence, là, c'est zéro. C'est aquaplaning, tout ce que... Il y avait un effet de pluie tout à l'heure. Attends. L'orage, oui, mais je me souviens pas qu'il y avait un effet de pluie. Je fais même plus attention à ce qui se passe autour du parcours. C'est un truc qui sert à rien. Allez, le jaune! Tu tombes, je te jure.
gardes la manette entre les mains. Ne la lancerai pas. La garde. Fais attention au matériel. Casser ne sert à rien. La violence ne sert à rien. Seul le temps et la victoire permettront d'affranchir la frustration. Je sais pas combien de dizaines d'essais j'en suis sur ce niveau. Ça fait une heure que le stream est lancé. C'est le sixième niveau. J'ai fait les trois premiers très rapidement. Le 4 était tendu. Le 5, ça va. Difficile, mais ça va. Mais alors lui, c'est le pire depuis le début de la soirée. Pourquoi tu te fais du mal avec ce jeu? À la base, je l'avais commencé, je m'étais dit ça va, c'est un jeu sympa, mignon, familial, c'est une licence qui est quand même reconnue mais que je connaissais pas forcément. J'ai dit, je vais le faire en stream tranquillement. Et vu que je l'ai commencé et que un jeu commencé sur Eva Sound, c'est un jeu qui doit être terminé. Donc, il faut aller au bout. Pas forcément sur du 100%, mais il faut quand même aller au bout. Donc, pour l'honneur, eh bien, voilà. Je m'inflige ça. Puis il y a Sonic. J'aime bien Sonic. Je pouvais pas le jouer avant dans les mondes d'avant. Maintenant oui, mais je pouvais pas. C'est un principe noble, mais la licence Sonic c'est pas forcément gage d'égalité à part les tout premiers. Mais c'est surtout que c'est même pas une licence Sonic, c'est une licence Monkey Ball. C'est que c'est pas un jeu Sonic, c'est vraiment un jeu Monkey Ball. Sonic, il est là juste pour c'est un personnage en plus, un easter egg, c'est rien de plus que ça. Parce que c'est Sega qui a derrière, c'est tout. Après, si on parle juste de la licence Sonic, la première trilogie Sonic est très bien. Pas simple, mais très bien. Je me souviens avoir terminé le premier. Le 2, je sais plus. Je l'ai longtemps fait, le 2, mais je me souviens plus avoir terminé. Le 3, je crois que j'ai quasiment pas touché. Les autres, j'ai pas trop touché. Les Sonic 2D et demi, 3D, je crois qu'il y en a eu, ça m'a pas plus intéressé que ça. Même le Sonic Racing, où ils ont voulu tenter de faire un Mario Kart par son Sonic, ça m'a pas tenté. Après sinon, il y a un jeu Sonic récent que j'ai. Il y a Sonic Forces. Ouais, c'est ça, Sonic Forces. Que j'ai fait en entier. Que j'ai trouvé nul. Mais nul. Mais je l'ai fait en entier quand même. Pas en stream, mais je l'ai fait en entier. Et arriver juste ensuite avec un grand hommage au Sonic d'origine. À la base, c'était des jeux fan-made, mais qui ont été officialisés par Sega. C'est Sonic Mania. Sonic Mania est excellent. Il rend vraiment hommage. Et pour, on est en plein anniversaire de Sonic, en tout cas, ça va arriver. Il va y avoir plein de grosses nouveautés autour de la licence Sonic, avec de très très belles choses, parce que c'est l'équipe derrière Sonic Mania, que du coup, qui a été doublée par Sega. Qui prépare plein de choses sur Sonic. Donc l'année prochaine, on va avoir de très belles choses autour de Sonic. Oh punaise. Je connais pas du tout la licence. Monkey Ball, c'est un jeu d'arcade à l'origine, qui est sorti en 2001, donc on peut dire que c'est très récent pour un jeu d'arcade. Vraiment arcade, hein, sur bande d'arcade et tout. Ça a fait un certain succès, du coup il y a eu plein de jeux Monkey Ball, Super Monkey Ball et dérivés. Et donc là on est sur Super Monkey Ball Banana Blitz qui était à l'origine sorti sur Wii, réédité sur Switch avec une version HD, et clairement la différence je vois.
Et vu que bah, ça fait son petit succès, parce que le jeu est... On voit ce que... Bon, vous le voyez à l'écran, ce que c'est. Mais Monkey Ball a son public et a fait son petit succès. Du coup, à l'automne, qu'est-ce qui sort sur Switch ? Compilation de tous les jeux Monkey Ball. En une seule... alors peut-être pas avec celui-là, mais tous les, en tout cas tous les autres jeux Monkey Ball. En une cartouche. En une compile sur la Switch. Pour avoir tous les jeux Monkey Ball. Eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, je les ferai pas en stream. Clairement pas. Bizarre, hein ? Vous pouvez mettre 10 000 euros sur la campagne du crowdfunding de l'assaut, je les ferai quand même pas en stream. C'est mort. Non ! Borne d'arcade, ouais. Du coup, ça se jouait avec un périphérique conçu spécialement pour... Bah... joystick, trois... Enfin, un bouton, du coup, il n'y a pas besoin d'autre chose, et voilà, quoi. Mais après, sinon, tout le reste est sorti sur console, ouais. Et Steam. Et sur Steam aussi, ouais. Voilà, et là tu ne bouges. Ready, go. Je pense que je vais retourner faire mes petits travaux chez moi, dans mon petit studio. Que j'ai commencé à faire cet après-midi, que je continue demain et après-demain. Ça, à la limite, c'était chiant, mais c'est plus... comment dire, productif que ça. Ne tombe pas, toi. Hop. C'est intéressant. Ah, oh, c'était bien ce qui était là. C'est dommage. Tombe pas. Et il tombe. Ready, go. Ce qui me manque surtout, c'est un contrôle caméra concret sur le deuxième joystick. Il y aurait ça, je pense que le jeu serait plus accessible. Et donc plus simple, certes, mais quand même plus accessible. Je suis désolé, mais quand on a des graphismes comme ça, quand on a un parcours comme ça, c'est un jeu qui se veut quand même à l'origine, oh punaise, familial. Ça fait intérêt à tomber. Non ! Non ! J'y étais ! J'étais là ! Là, la case, là, sur la gauche, là, la case. Le portail, il était là. Non. Bon, il y a une amélioration. Mais avant de retourner à ce stade, il y en a pour 2 heures, quoi. Tomber. Voilà. Oui, continue. Ready, go. Ready.
Arrête-toi. Recentre-toi, remets-toi en face. Petit saut. Petit saut. Petit saut. Petit saut, allez! Ok. Oh, dommage! Dommage! Allez Sonic. Sonic, je suis obligé de sauter partout parce que je vois plus rien et forcément je fais des bêtises et je tombe. Sinon c'est pas drôle. Ah, qu'est-ce qui m'enquiquine ? C'est bon, ça passe. Reste là. Okay. Sauter ici. Sauter ici. Sauter ici. Mais pourquoi il y a eu là le truc affiché juste en face? D'où il s'affiche en plein centre de l'écran le machin? Je gagne une vie pour la perdre parce que le message de la vie gagnée m'a fait peur quoi. Ce jeu me troll jusqu'au bout. Je m'en fous de gagner des vies, puisque le continu m'en offre après. Je m'en bats les steaks. C'est pas comme si je devais mettre des jetons dans la borne d'arcade à chaque fois, à chaque continu. Si je devais mettre 1€ pour chaque continu que j'ai eu depuis le début de l'aventure Super Monkey Ball, je pense que la campagne de crowdfunding sera déjà terminée, aurait déjà atteint ses objectifs, quoi. Oui, non, eh non. J'aille à droite. Ready, go. Et là, le trou. Le trou. Celui-là avait été développé pour borne d'arcade. Non, celui-là, il était sorti sur Wii. Il était sorti sur la Wii. Mais c'est le même principe, hein. C'est un joystick, un bouton. Du Monkey Ball, quoi. Donc, oui. Il pourrait très bien être sur borne d'arcade. Enfin, cet épisode-là pourrait aussi très bien être sur borne d'arcade. Clairement. Oh. Je gagne 3 secondes alors. Par rapport à tout ça. Stop. J'ai besoin d'être centré. J'ai dit que j'ai besoin d'être centré et le poulpe me dégage quoi. Oui, continue.
J'y arrive pas. Enfin, du moins, je n'y arrive plus. Mais comme j'y arrivais, c'est-à-dire je peux y arriver de nouveau. Parce que sur le bon d'arcade, même en 10 centimes le continu, c'est rentable. Ah oui. Oui. Je me souviens plus des tarifs en francs à l'époque. J'ai quand même fréquenté ce genre de lieu. Arrêtez, me prenez pas pour un vieux. Hein. J'étais petit. Mais j'ai connu. En francs, je me souviens plus des tarifs. Mais en euros, on était sur 1€ la partie pour certains jeux et 2€ la partie pour d'autres jeux. La partie, donc un continu. Et en plus de ça, si on voulait pas payer en euros, on pouvait acheter des points spécifiques, donc une monnaie spécifique, avec la carte de la boutique. Donc ça coûtait un peu moins cher, mais par contre, il fallait acheter plus de points. Donc rester plus longtemps dans la borne d'arcade, donc dépenser au final un peu plus. Il y avait des trucs sur des scooters, il y avait des sortes de cabines pour simuler des avions ou des vaisseaux spatiaux. Il y avait un truc que j'adore, c'est le palais, c'est le jeu du palais, c'est une grande table. Je sais pas si ça si parle, mais... Une grande table qui souffle de l'air, il y a un palais au milieu et il y a les deux joueurs, ils sont mis sur chaque côté avec la main. Hop, et avec la main, il faut pousser le. On a un truc comme ça. On pousse et le palais il part à perpète les moulinots. Et comment on tapait fort ? Ben des fois le palais il atterrissait sur la gueule des gens et ça fait mal. Mais c'est rigolo. Et pour les plus grands, il y avait des billards, il y avait des flippers. Pas Flipper le dauphin, Flipper là, le jeu de la borne d'arcade bien sûr. Il y avait même, je sais pas ce que ça foutait là, mais ça m'a marqué. Il y avait des consoles Nintendo 64 avec à l'époque du Pokémon Stadium dessus. Ça c'était en libre accès je crois. À partir du moment où on avait la carte avec les points, c'était en libre accès. Il n'y a pas besoin de le dépenser. Le reste oui, mais ça non. Et pour les petits, bon bah il y avait les... Ah dommage, il y avait les toboggans avec les piscines à boules, etc. Bref, pendant que les parents faisaient les courses, on passait du temps là-dedans. C'est chouette. Et non. Ça va tomber. Ça tombe. Ouais. Ça s'est perdu, hein, les bandes d'arcade. On peut dire ce qu'il est. Mais, petit à petit, c'est en train de revenir. Par des passionnés, bien sûr. Mais c'est en train de revenir. Il y a la dernière salle d'arcade de Toulouse qui a fermé il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Et pas très très loin, alors c'est en dehors de Toulouse, mais il y en a une autre qui va réouvrir à d'autres gens. Vraiment des vrais passionnés aussi. Je pense que j'irai jeter un œil du coup. Sonic. Bon. En fait, Sonic, il fait du cirque. Et pourtant, j'aime beaucoup le cirque contemporain. Mais là, Sonic, il est en train de faire du cirque. Les salles d'arcade, ça te manque pas vraiment. Ah, c'est une ambiance particulière après. C'est très bruyant. C'est très très bruyant. Ah oui, il y avait les Dance Dance Revolution aussi dessus. Ça, j'en faisais pas trop. J'ai pas trop de synchro en rythme musical. J'aimais beaucoup voir les gens en faire. Mais ouais, sinon, ouais, c'est une ambiance très particulière. Hein. C'est très très bruyant. Plein de flashs lumineux. Des écrans partout. Et ça tombe. Continue.
Ready? Go! On va bientôt faire une heure qu'on est sur ce niveau, je crois. Et tu tombes pas. Si, oui. Il y a un bar dans ma ville avec une petite arrière-salle avec quelques bornes. Une dizaine, je pense, un gratté. C'est fun d'en prendre un verre, mais c'est pas vraiment une salle d'argent. Ouais, voilà, c'est plus du bonus pour attirer la clientèle. Mais voilà, c'est pas dessus que le lieu va se faire de l'argent. C'est vraiment du bonus en plus. Il y en a pas mal, vraiment, des une, deux bornes ou un flipper dans des bars, dans des cafés. Ça existe beaucoup, ça. Mais ils en font clairement pas leur spécialité, c'est pas leur gagne-pain. Ça oui. Et du coup, c'est quand même plus agréable parce que c'est moins bruyant. Pas de flash lumineux, très peu. C'est quand même plus agréable. Oui, j'avais compris, libre accès gratuit, t'inquiète pas, j'avais très très bien compris. Mais bon, c'est tout, c'est toujours mieux de consommer pour soutenir quand même le lieu. On va pas dans un lieu juste parce qu'il y a une bande d'arcade gratuite sans consommer. Quand tu viens dans un lieu comme ça, au minimum tu consommes pour soutenir le petit commerçant. Quelque chose du genre. Pour boire un verre et écouter la musique. Arcade, c'est un petit bonus. Ouais. J'aimerais bien avoir une borne d'arcade. Soit chez moi, soit. Ouais, non, chez moi, non, ça consomme tellement d'électricité. Mais plus. À la grainerie, là où l'association intervient principalement et où on est censé avoir un bureau dans pas longtemps. Ce serait bien d'avoir une borne d'arcade en vrai. À côté de la machine à café, ce serait chouette. Je leur en parlerai. Par contre, ça coûte une blinde. Enfin, ça coûte pas une blinde, c'est pareil. Ça coûte. Une borne d'arcade, c'est entre 2000 et 4000, voire 6000 euros. Surtout si on la personnalise. Donc en vrai, c'est un prix. C'est un prix qui peut faire peur. Mais. Avec tout le travail qu'il y a dessus, peut-être, je pense que c'est un prix justifié quand même. Et voilà, j'y arrive. Passe! Sonic, passe! T'es sérieux? Ça, c'est dégueulasse. Il y a une raison pour laquelle ça coûte si cher. Ah bah, le travail qu'il y a dessus, hein. L'écran, mettre tous les jeux à l'intérieur, donc la machine spécifique, le contour de la borne d'arcade, bien souvent c'est du bois traité, c'est du décor bien souvent personnalisé, ou alors faut acheter des droits de licence dessus. Une borne d'arcade unicouleur ça existe, mais c'est pas très beau et du coup c'est plus salissant. Donc y a tout un travail dessus. Si je prends, là comme ça en tête, je vois un artisan qui fait ça dans la région ici. C'est 2000 ou 4000 euros les bornes d'arcade qu'il fait. Et mais pour le travail d'une borne, une seule borne, ça lui prend peut-être 3 semaines, 1 mois de travail. Du coup, il en sort pas beaucoup à l'année. Mais c'est un gros... ça se compte pas en heures de travail, ça se compte en jours et en semaines de travail. Surtout le côté menuiserie. On va dire ça comme ça. Et électronique. Après, sinon, on peut sûrement trouver des bornes d'arcade d'occasion à l'ancienne. Mais du coup, sur des systèmes qui sont plus vraiment mis à jour. Ça doit exister. Mais dans ce cas, tu t'en sers plus comme décor que comme vraie borne d'arcade. Au contraire des jukebox. Les jukebox, il n'y a pas besoin de mise à jour dessus parce que c'est pas vraiment du logiciel.
c'est surtout de la mécanique avec un peu d'électronique, mais il n'y a pas vraiment de logiciel derrière. Donc un jukebox, même à l'ancienne, tu peux le faire fonctionner. Oh punaise, maintenant j'ai envie d'avoir un jukebox. Donc en gros, il me faut une borne arcade et un jukebox. Côte à côte, ça veut plus rien dire en termes de style. Hein. Plus rien du tout. Non! Une vieille borne d'arcade n'a pas besoin de mise à jour non plus. Ah si, car, on est sur des logiciels, sur des licences qu'on dit abandonware, parce que justement, les licences n'existent plus, ne sont plus traitées, ou alors faudrait que quelqu'un récupère les droits dessus, etc. Donc si, si. Et vu nos écrans aujourd'hui, il vaut mieux pas faire tourner une borne d'arcade sur un écran cathodique, quoi. Ça va piquer les yeux, ça va faire des flashs dégueulasses. Et donc il vaut mieux prendre un vieux jeu sur un système mis à jour avec un écran d'aujourd'hui. Et donc tant qu'à faire, pourquoi pas remasteriser certaines vieilles licences. Donc racheter des droits. Ça peut se faire. En vieille licence, j'en pense à une. En vieille licence. D'arcade, il y a Metal Slug. Metal Slug, les droits, ils sont jamais tombés dans l'oubli. Et le studio derrière, il s'est dit que, vu qu'ils ont toujours les droits dessus, bah, dans pas longtemps, ils vont ressortir un Metal Slug, je crois, remasterisé, et un nouvel épisode, qui pourrait très bien être aussi sur une borne d'arcade. Bon, ils vont le sortir sur PC et sur console. Mais ça pourrait très très bien être sur borne d'arcade, ça c'est. Oh punaise, j'ai écrasé le poulpe, mais est-ce qu'il est mort? Ça m'arrangerait, oui. Ça veut dire qu'on peut tuer les poulpes? Ah non. Mince. Attendez, mais il y en a... Si, j'en ai écrasé un, là. Il y en avait deux, non? Non, d'accord, on peut pas, j'ai rien dit. Je regarde ton stream sur un écran CRT. Ah ouais! Ça va, t'as pas mal aux yeux. Ce serait intéressant de trouver un mode pour regarder un stream, peu importe lequel, mais que ça fasse un effet Game Boy d'origine, la première du nom. C'est très très rigolo, je pense. Ce serait irregardable. Mais très rigolo. Yolo. La petite vitesse là. CRT a des qualités que le LCD n'a pas. Ah bon, comment ça? Non! Ce virage! Danger. Ok, on attend. Il va tomber. Tac tac, des angles de vision complètement ouverts. Il va se casser la gueule, Sony. Des couleurs nickel, des noirs profonds pour un excellent contraste sur une réactivité imbattable. Ah bon, tant que ça. Attends, je dois confondre avec quelque chose d'autre. Un écran CRT. L'image est moins fine et précise qu'un LCD. Mais qu'est-ce que tu penses des écrans OLED? Vu que c'est le sujet de ces dernières heures, depuis hier,
chez Nintendo que les possesseurs de PlayStation Vita se moquent totalement de ce qui vient de se passer. Oh mon dieu, Nintendo se met à l'écran OLED, mais nous on l'a déjà depuis 2011. Ça me fout tellement les boules quoi. Mais Nintendo, pourquoi vous avez fait ça? On ne veut pas un écran OLED. Oui, d'accord, l'écran il est un poil plus grand, mais moi je m'en fiche, je joue sur la télé, je joue pas en mode portable. Vous avez mis deux haut-parleurs sur la Switch, c'est bien, il aurait fallu y penser dès le départ, mais je m'en bats les steaks encore une fois, je suis sur la télé et pas sur l'écran portable. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Ah oui, un port Ethernet. Bah pareil, il fallait y penser avant, mais bon, avec un module, on peut très bien le faire sans besoin d'avoir acheté une console. Waouh, des Joy-Con blancs! Waouh, génial! Je m'en bats les steaks, je joue à la manette. Sérieusement, quoi. Sortez une Switch Pro 4K comme on entend parler depuis longtemps, et la rumeur est maintenue malgré la sortie de cet écran OLED, que j'appelle l'écran ALED. Parce que bon, clairement, non, Nintendo, il n'y a pas de raison de faire ça, quoi. Hop. Technologie mort-née, micro LED arrive bientôt. Bientôt. Ouais, dans quelques années, quoi. OLED, technologie organique, donc dégradation, franchement déconseillée pour un PC ou deux jeux vidéo car sensible au marquage. Mais là, leur écran, de toute façon, c'est que sur le Switch en mode portable. Mais moi, j'en vois pas l'intérêt. Pour l'utilisation que j'en ai pas, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Après, il y a que le port Ethernet qui m'aurait intéressé. Mais à la limite, j'achète le petit module, rien du tout. Et voilà, mais là, ma Switch, elle est en Wi-Fi. Oh punaise! Mais je m'en contente. Oh punaise! Parfait. Je disais quoi? Oui, non, en gros, la Switch version 3, parce qu'en vrai, il y a déjà eu deux versions de la Switch. La première n'est plus du tout en vente. Ça, c'est une Switch version 3. Et la seule chose que j'espère, c'est qu'ils ne vendent plus les Switch version 2 pour passer directement sur cette version 3. Pour les nouvelles personnes qui ne possèdent pas encore de Switch. Pour les anciens possesseurs de Switch, ça ne sert à rien actuellement de réinvestir dans une Switch. Rien. Le jour où il y aura une Switch Pro, un Pro 4K, avec des vraies performances en plus, oui, parce que là, leur nouvelle Switch n'a même pas de performance en plus. Rien du tout, c'est le même processeur. C'est exactement le même processeur. Donc c'est... Et ils vont vendre ça 50 balles de plus. Waouh. Bah non. Pour ceux qui l'utilisent comme portable, ils vont finir à du marquage. Ouais, je sais pas. Mais voilà, mais... Une bêtise. Bien, ouais, merci. Je vais finir mon café, qui est fait depuis une heure maintenant, qui est froid. Il me reste deux gorgées. Mais je jette pas du café. Passer d'un écran LCD à un OLED, pour jouer lumière éteinte, ça doit être le jour et la nuit. Oui, oui, ça oui. Mais bon, après on peut très bien se contenter de la luminosité actuelle de la console en mode portable. Il n'y a pas besoin de plus. C'est pour ça, moi je comprends pas ce qu'ils ont foutu. Et autant je collectionne à ma petite échelle les jeux physiques Switch, autant je ne collectionne pas toutes les versions de la Switch et ni tous les Joy-Con. Parce que déjà ça coûte une blinde, mais surtout que j'en vois pas l'intérêt. Mais les jeux physiques, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le jour où il y a une nouvelle console qui arrivera forcément un jour, et que le support des anciennes consoles ne soit plus pris en charge, donc ça veut dire que tous les anciens jeux achetés sur l'eShop, on n'y a plus accès. Parce qu'en vrai, c'est de la location, hein, c'est pas. Voilà. Alors que quand tu achètes un jeu physique, il est à toi, tu peux y rejouer même des 50 ans après en faisant gaffe. Voilà. Mais c'est comme sur Steam, hein. Qu'en vrai, quand on n'achète pas les jeux sur Steam, on les loue pour une durée indéterminée. Le jour où le service de Valve s'éteint, on perd tous les jeux dessus. Et ça, c'est dans leurs conditions générales. Hein. Personne ne s'en rend compte, et pourtant, c'est dans leurs conditions générales. C'est pour ça que, des fois, je préfère attendre qu'un jeu sorte en physique, quelque part, pour le prendre et le mettre derrière moi. Hein, tout simplement. Bon, après, il y a des petites folies, il y a des petits collecteurs, mais...
Il faut acheter sur GOG. À la limite, il faut mieux acheter sur GOG, ouais. Je suis d'accord. J'ai pas... Je dois avoir quelques dizaines de jeux sur GOG, mais j'en ai pas énormément. Mais j'ai pas encore le réflexe. Mais oui, en vrai, il faudrait. Tu te burn un DVD avec le jeu. Alors, il faut me traduire burn. Burn, pour moi, c'est brûler, mais je vois pas l'expression. Le temps de prendre 2 minutes avant de retourner sur Super Monkey Ball. Gravé. Tu te graves un... Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, 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 tout à fait, oui. Ah, la vieille époque où on s'échangeait les jeux PlayStation sur CD gravé de manière totalement illicite, mais vu que c'était personne n'y comprenait rien, ben on pouvait faire ça sous le nez de tout le monde. Et tout le monde s'en foutait. Sauf Sony, mais Sony pouvait pas faire grand-chose. Bordel, j'en ai eu tellement des jeux PlayStation 1 gravés. Tellement. Et tu stressais un petit peu plus de voir le logo Sony et que le logo PlayStation ait du mal à arriver sur la console. Des fois il arrivait, des fois il arrivait pas. C'est très drôle. Mais une fois que le logo PlayStation était là, tu dis c'est bon, le CD il est lancé. Bref, pour revenir à ça, j'attends le micro LED avec grande impatience. Grande impatience. J'en ai pas vraiment entendu parler, bon, enfin, vu le mot, je vois ce que c'est, hein. mais j'en ai pas tant entendu parler que ça. Donc, c'est que ça arrive pas de suite, c'est que ça va arriver, je sais pas, entre 2 et 5 ans, quelque chose comme ça, non? C'est assez récent, la toute première TV comme micro-LED grand public était actuellement en présentation à Paris. Alors, la Fnac c'est quand même une grande boutique, donc il y a peut-être qu'ils sont en train de l'exposer, mais ça doit être plus un salon high-tech, juste comme ça. 100 000 euros, 100 000 balles. Ah, je vais attendre un bon 10, 15-20 ans avant d'acheter une télé comme ça, moi, le temps que les prix baissent. Hein. 100 000 balles. Eh, hey, sérieux, 100 000 balles, je vais au petit cinéma d'à côté de chez moi, je rachète le cinéma, je déconne pas. J'y étais cet après-midi d'ailleurs aussi, au cinéma. Je préfère 100 fois racheter le cinéma. Punaise, 100 000 balles la télé. Je rachète le ciné, je fais des événements dedans. En 2 ans, je récupère 100 000 balles. Du coup, j'achète la télé ensuite. Au secours. Après, en 1 an, les prix ont déjà été divisés par 4. Donc ça avance. Ouais, mais ça, c'est comme à chaque fois sur ces technologies des télévisions. Hein. Très rapidement, ça baisse. Donc. Diviser ES si tu te corriges. Donc après. Il est juste après ton on été. Celui qui arrive en troisième de s'accorder. Enfin bon, on est sur Super Monkey Ball. C'est la souffrance. France. Ready? Vous êtes sérieux là? Go! Vous avez foutu des trucs qui tournent? Sérieusement? Plus une chute de la mort où il faut ralentir de suite? De nouveau des trucs qui tournent avec des plateformes qui sont même pas symétriques. Et après, il y a quoi? C'est quoi la fin? Et de nouveau une chute de la mort qui tue. Il y a peut-être moyen de skip les deuxièmes rouleaux. La deuxième série de rouleaux. C'est ça que les process se mettent en place, que les usines soient rodées, que tout soit petit. Ouais, c'est comme à chaque fois. Bonne chance, merci. Oh! Attends, hop. Attends, oh! Attends, tu vas voir.
Tu vas voir. Attends un peu. Il est où le truc? Ah, oh, je suis allé trop loin. On va le skip en entier. Ouais. Ah, je peux pas le skip. Ça fait, ça de... Il est où le truc? Ok. Dommage. On va le retenter, hein. Ouais, faut que je ralentisse. Hein. Faut que j'aille plus doucement sur la deuxième partie. C'est possible. Rebond. Ah, dommage. Faut que j'arrive juste après les gros rouleaux, que je me pose, et après je peux tenter de... Ouais, on va faire ça. On va y aller comme ça. Mais il y a de l'épaisseur en plus, quoi. Je fasse un saut un peu plus grand, d'accord. Au ralenti. Ready, go. Pas trop loin. Ready, go. Ah, dommage. On a beau s'arrêter. Ah! Attends, on va arranger ça. Tu fais bien de m'y faire penser. Je ne pouvais pas savoir la date de l'arrêt de ton abonnement en avance. Ouais. Oh, dommage! Oh non! C'est bon là. Ah là j'ai fait n'importe quoi. Allons bon, qu'est-ce qu'il a le chat? Un abo? Pourquoi la modération automatique a retenu le mot abo? Ben, niveau terminé. Comme étant pas bon. Abo, ça veut rien dire, c'est juste un Pokémon. Autorisé. Quand même. Ça sert à quoi d'avoir un abonnement à part pour les emotes? Ben, ça sert à soutenir le stream, en fait. Alors, ça sert à soutenir les streams d'une manière générale. Mais, il faut savoir que les affiliés, dont on fait partie, ne reçoivent que moins de la moitié du prix de l'abonnement, en vrai. Donc en gros, sur un abonnement à 5 euros, si on touche 2 euros, c'est pas mal. Le reste, à part chez Twitch, sur les taxes et le reste. Sinon, ça sert à avoir des emotes en plus. Ça sert à, si le cas arrive à être avoir accès directement au chat, si on met le chat réservé uniquement aux abonnés, pour passer outre, parce que bon, s'il y a du spam, voilà. Ça sert à avoir un badge reconnaissable, et voilà, mais il vaut mieux en termes de soutien financier. Bon, ici il y a le crowdfunding là d'ailleurs, mais il vaut mieux faire des dons plutôt que de passer par l'abonnement en vrai. Comme ça Twitch il prend pas ça par dessus. Bon, je fais ça
Bah, je peux le faire d'ici en fait, j'y pense. Depuis cet ordinateur là. Alors attends, comment je fais? Il faut que... Ah mais là je suis sur mon panneau modérateur. Non, j'ai pas envie de bannir Eleanora, ça va pas non. Il est gentil Eleanora. Il est gentil comme tout. Alors pas Ivasand 3, non, c'est Ivasand tout court. Il n'est pas prévu qu'on ouvre Ivasand 2 et Ivasand 3. On n'est pas France Télévisions. Ouais, mais comme ça, moi, je regarde 2-3 trucs au passage. Il y aura des questions qui seront répondues pour moi. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'appellent Eleanora sur Twitch. Parce que là je dois taper le pseudo en entier. Il y a un sous-tiré à la fin. Vous pouvez pas prendre plus simple. Eleanora. Que ça va fonctionner ou pas. Ok, nickel. Eleanora était déjà pris. Oui, mais pareil, Eleanora Kaleista sans le sous-tirer à la fin était déjà pris. Hop là. Voilà, l'alerte s'est apparue, mais ça sert à rien. Donc, merci l'alerte. Du coup, merci Jake d'avoir offert un abonnement à Eleanora. Ah là là. Et mais pourquoi ce pseudo d'ailleurs? Pourquoi Eleanora Kaleista? Qu'est-ce que cela signifie? Ça vient d'où? C'est une référence? C'est du roleplay? Ça vient d'où? J'aime bien savoir ces origines. Allez, on tente comme ça celui-là. Ah d'accord, on va pas le tenter comme ça. C'était le pseudo que j'utilisais sur EVE Online avec Drago et Mr. Green. Il y a longtemps, d'accord. Ready, go. Vérifie que celui-là, c'est bon, hein. Mais vous avez fumé quoi, le jeu? Eh oui, hurry up, mais je fais ce que je peux. C'est bon, c'est passé. Il fallait un autre ami. D'accord. Ready? Niveau 9, c'est le dernier niveau de ce monde. Alors attendez, celui-là, il est bizarre. Escalier. Pourquoi il y a des flèches? C'est quoi ces flèches? Ah, ils ont foutu un totem juste en dessous. Ça glisse, escalier. Il n'y a pas tout droit. Oh, ils ont foutu. Il y a des choses en plein milieu. Hein. Ils ont fumé les développeurs. Ils ont fumé. Le nom Kaleista vient de l'actrice Kaleista Flockhart d'Ali McBeal que j'ai modifié. Il fallait un nom qui sonnait minimum SF. D'accord, ok. Ok, la flèche ne sert à rien. La flèche sert juste à flécher la direction. C'est quand même le but d'une flèche.
les anneaux là ont une utilité spécifique. Oh punaise, je suis arrivé sur le truc fin. Je pensais qu'il restait quelque chose. Ok, j'arrive jusqu'au truc fin. Il me restait 12 secondes, je crois. Ah, c'est pas passé. On peut skipper correctement ce truc ou pas? Si je tente... Alors, si je tente comme ça. Alors, pas comme ça. Non plus. YOLO! Le pseudo complet, je l'utilisais que sur Evo 9, je n'utilisais le nom d'ailleurs. Que quand il en aura seul, était dur. Attends. Non! J'ai vu un truc, je suis. On peut tout skipper en fait. J'ai réussi. Oh, presque! Je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr que c'est possible. Ready, go. Oh oui. Non. Bon, on va le faire comme ça. Ce niveau, on le fait comme ça. Complètement raté. Ready, go. Ah dommage, rebond trop fort. Ready, go. Non, ça passera pas. J'aurais dû aller un poil plus sur la droite, et je pense aurait été intéressant. Donc, il faut que je passe sur le carré. C'est des carrés de 4 par 4. Je vais pas sur le troisième carré du haut. Si je me fais pas bump par les totems, sinon c'est pas drôle. Ce skip de l'enfer. Ah ouais, ouais, mais lui je le tente. Lui, par rapport au niveau d'a... de niveau d'avant, lui, je le tente. Raté. Ah non, j'ai touché. Je l'ai touché. Je serais vraiment très curieux de voir par. Ouais, ça c'est nul. De voir des speedruns mon qui volent. Ça doit être tellement précis. Ah. Ah. Bah ouais, mais. Continue. Oui, on continue. Voilà, là c'est bon. Hop, 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 hop. Alors c'était presque bon. À droite encore. Et plus de vitesse. Donc 1, 2, 3. Alors peut-être pas autant. Peut-être pas autant, puisque là j'ai mangé la rambarde. Ah putain. Bon, on est sur un continu. Je tente un try de continu. Donc 3 vies. En legit. Et là, normalement, c'est les petits trucs. Ah non, pas encore. Maintenant. Ouais, c'est juste là. Là, c'est directement toute petite passerelle. Mais ça monte! Oh, mais ça monte, c'est même pas plat, ça monte!
Ok, c'est mort. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Je vais tenter en skippant. Je retente comme ça quand même. Ah oh, punaise. C'est n'importe quoi. Hein. La fin de ce niveau, c'est n'importe quoi. Bon, bah ça c'est fait. Ah bien, on retourne tenter le skip. Hein. On va nettoyer le niveau. Un poil plus fort, un poil plus sur la droite. Ah, merde, c'est gauche. Non, 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 non. En direct de chez Ivaskip. Vous voulez laver votre niveau plus blanc que blanc. Sans pli, sans froissage. Pas besoin d'anti-détachant. Skipper les niveaux avec la lessive, il va skip. Non, punaise. Totem de mes deux. Bon, quand même. Ah, ah, ah non. Il est faisable, hein, skip, franchement. Alors, pas comme ça. Virez-moi ces totems, ils ne servent à rien à part m'enquiquiner. Sérieux. Oui. J'en ai marre de cette... C'est moi qui tiens la manette, je ne peux m'en prendre qu'un bras. Pas la faute. Un peu quand même. Si j'essayais un autre personnage, une fois ça passera mieux avec un autre personnage, vu que chaque personnage a ses propres caractéristiques. J'ai besoin de la même vitesse, mais des sauts un peu plus longs et peut-être un peu de poids en plus. Quoique le poids, non, je sais pas en fait. Ça peut passer avec Sonic en vrai. Je suis passé à côté. Raté. Complètement raté. Oh punaise, ça s'est joué à rien. J'aurais tapé en rebondissant sur la passerelle, non, pas comme ça, je serais passé dans le portail. Ah, c'est dommage. Oh punaise. Ah, ah, ah non. Continue.
Je rebondis un poil plus loin. Mais ils servent à rien. Ils servent à rien ces trucs. Oh, c'est, écoute, c'est passé. Hein. C'était pas prévu tout à fait comme ça, mais c'est passé. On va pas s'en plaindre. En plus, la petite médaille. Il y a un monde 10. Tu peux désormais utiliser Air Doctor dans le jeu principal. C'est bizarre. Ah, c'est autre skin. Non. Menu principal, oui. Hein? Zut! Ça veut dire qu'il y aura encore d'autres streams Super Monkey Ball, mais j'en ai marre! J'étais pas sûr de mettre du Super Monkey Ball vendredi, c'est pour ça que j'ai calé un indé. Et j'aurais peut-être dû me remettre du Monkey Ball en fait. Bon, c'est qui le personnage débloqué? Ah oui, c'est juste un skin. Ouais, c'est un skin de rien du tout. Ok. Alors, voyons voir ce qui nous attend la prochaine fois. Parce que oui, on va s'arrêter là, hein, bien sûr, quand même. Qu'est-ce qui nous attend dans le prochain monde? Le paradis suprême! Le paradis suprême, les enfants! On ira tous au paradis! Et c'est quoi le combien de mondes? Pareil, 9 niveaux avec un niveau bonus. Ouh, le niveau bonus, qu'est-ce qui va être chiant? Oh punaise. 9 niveaux. Vu l'aperçu en image. Vous voyez un petit peu. Vu l'aperçu en image là. Je suis pas sûr que ce soit skippable. Ah, ça va être chiant à faire, c'est vrai. Et le reste, je ne sais pas. Bon. Bah, il y aura encore du Monkey Ball. Zut. Zut alors! Bon, l'avantage, c'est que ça me fait une VOD complète. Chouette. Eh bien, je m'arrête là. Clairement, je vais pas m'amuser à faire un nouveau monde là maintenant, parce que sinon, on en a jusqu'à 3h du mat. Et aux dernières nouvelles, il paraît que dormir, ça fait du bien. Il y a des gens qui disent ça. Donc, je vous invite, d'ores et déjà, si c'est pas déjà fait, à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les deux YouTube, le YouTube Gaming, c'est là où on poste les VOD de TK Gaming, le YouTube IVA Sound Radio et IRL, c'est là où il y a tout ce qui est autour du jeu de société, et les futures émissions qui arrivent, le code de la route, et les petits trucs qu'on peut faire IRL aussi. La lecture, par exemple, du mois dernier, elle est sur ce YouTube-là. La lecture qui aura samedi soir apparaîtra d'ailleurs en VOD sur ce YouTube-là. Rejoignez le Discord, c'est là où on est quand même le plus actif, où on papote avec vous de tout, de rien, de plein de sujets différents. On a parlé par exemple cet après-midi dans les sujets, il y a Kipon à évoquer les comédiens et comédiennes de doublage. C'est un grand sujet, on peut en papoter, c'est très intéressant, on peut en discuter ensemble. Pour ma part, j'ai évoqué aujourd'hui le film Black Widow, que je suis allé voir au cinéma, qui est sorti aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Voilà, mais on en a parlé sur Discord, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Quoi d'autre? Je vous retrouve demain soir pour du Code de la Route, en stream, avec Nino, avec vous sur le chat. Il y aura 10 niveaux supplémentaires, et en plus, juste après, on passe l'examen, alors fictif, hein, parce qu'on l'a déjà, mais on passe l'examen du Code de la Route en stream. On verra si on l'aurait ou pas. Et si on est à jour ou pas. Et je peux vous dire que je stresse un peu quand même. Oui, il est réussi. Soutenez le crowdfunding, il reste 4 jours. Là, comme ça. Il reste 4 jours, c'est hyper important. Parlez du crowdfunding autour de vous. Parlez de l'associatif autour de vous, parlez de l'association. Dites voilà, je connais ce petit projet, je soutiens ce petit projet. Parlez-en à vos familles, que vos proches aillent soutenir aussi. Déjà connaître, ce serait pas mal. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos collègues, à vos camarades, à vos voisins, à vos voisines, j'en sais rien. Mais il faut, c'est important. Et donc je vous retrouve demain soir 21h du Code de la Route, vendredi soir 21h Goro Goa, un jeu indépendant entièrement dessiné à la main par l'artiste Jason Roberts.
C'est un puzzle game, il y a de l'énigme, ça a l'air très intéressant. Je sais pas à quoi m'attendre, j'en sais pas plus, mais vraiment, des premières images, il est très 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 beau. Enfin, objectivement, il y a du talent derrière. Et après samedi, fin d'après-midi jusqu'au bout de la nuit, c'est le stream de clôture du crowdfunding avec plein de choses de prévues. Beaucoup beaucoup de choses. On vous détaille le programme dans pas si longtemps que ça. Prenez soin de vous, passez une agréable nuit et oui, il y aura un autre stream. Super Monkey Ball. Allez, cordialement, bisous.